Chers amis, bonsoir, salut mes gaillards, salut mes gaillardes, bienvenue sur la chaîne. Alors on va bien sûr parler de ce match entre le Lausanne Sport et Neuchâtel Xamax. Lausanne Sport, Neuchâtel Xamax, c'est à la Tuilière, vendredi soir à 20h15 les amis. Et on espère bien remporter le match, il va falloir faire autre chose et montrer autre chose que qu'est-ce qu'on a montré à la Pontaise contre nos homologues du Stade Lausanne. Une défaite qui nous reste là parce que ben voilà, c'est Stade Lausanne et généralement on est considéré comme étant la première équipe de la ville et du canton. Il ne s'agirait pas que ça change, mais quoi que sur ce coup-là c'était raté. Donc il faudra absolument faire le plein de points contre ce Neuchâtel Xamax là parce qu'il est clair que eux ils nous attendent. Et puis, ils ne vont pas faire semblant donc, de venir jouer. Ils ne vont pas vouloir en rester là. Ils ont engrangé leur première victoire le week-end passé. Ils seront super motivés parce qu'ils viennent jouer à la Tuilière dans ce nouveau stade où je crois ils sont pas encore venus jouer. Hein, non, je ne crois pas qu'ils sont encore venus jouer Xamax. Non, c'est la première fois que Xamax vient à la Tuilière. Donc, il va falloir surpasser les choses. Il va falloir gagner. Donc, on va faire le point tout de suite ensemble, les amis. Ça, c'est sûr, c'est ce qui est très important. Alors, on va quand même s'intéresser à notre adversaire. Hein. Je pense que c'est l'important avec leur nouveau logo. Là, ils me font rigoler. C'est un X, tu sais, ça fait penser à X-Files. Ou bien alors un site pornographique. C'est pas de ma faute, vous foutez un X. Puis vous retirez Xamax, vous retirez tout, vous mettez un X, les gars, excusez-moi, quoi. Puis encore un beau X rouge, tu sais, hein. Ça fait... Ouais, non, je te dis, ça fait site de cul quand tu tapes Neuchâtel Xamax. Enfin, bref. Oh, je sais. Oh, je les entends déjà, les Neuchâtelois. Ben, c'est incroyable ce qui peut être con, celui-là, hein. C'est incroyable, ça. Non, mais cette espèce de pêtre. Bon, alors les amis, moi je me marre comme un fou. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Alors, Toon Xamax, non, ça c'était pas le dernier. Xamax Bellinzone, et de quelle fort belle manière, non, sincèrement les Neuchâtelois, je vous félicite parce que vous avez une victoire, mais elle est comme il faut. Contre l'AC Bellinzone, contre lequel nous on n'a pas été foutu de gagner, et même qu'on a été foutu de perdre. Au match aller. Donc Xamax leur ont mis 4-0. Donc 4-0, Neuchâtel Xamax, propre et sans bavure. Moi ça me fait plaisir. Je suis pour tous les clubs. Enfin, je suis pour le Lausanne Sport, mais je crache pas sur les autres clubs romands. Je suis roman et ce football roman, je l'ai dans le sang. Donc mes amis, alors 4-0 pour Xamax. Hein. Brahima Ouattara, dès la 4e minute. Inscrit le premier but. Danilo Del Toro, 28e, c'est 2-0. Brahima Ouattara, à la 40e, donc juste avant la mi-temps, inscrit le 3-0 pour Xamax, donc 3-0 à la mi-temps. Et Alexandre Pache, une connaissance bien de chez nous. Salutations Alex, si tu vois la vidéo. Alexandre Pache, 65e minute, eh bien, c'est 4-0. Alléluia, enfin, et c'est bien pour Xamax, ils ont réussi à débloquer leur compteur. Par contre, j'ai pas envie qu'ils leur débloquent plus. Ce week-end, j'aimerais bien qu'on gagne. Les gars, s'il vous plaît, c'est le moment de faire mieux que ce que vous avez fait à la Maladière. On va pas crier à la victoire large parce que Xamax est dernier. On va pas crier à la victoire parce que Xamax est moins fort. Ça veut rien dire. Ils nous ont créé des gros problèmes lors du premier match. On s'en souvient, les amis. Hein, on s'en souvient bien. Et on était passé, on avait gagné chichement à la Maladière. Donc attention, ce Neuchâtel Xamax, c'est une bête blessée qui peut être dangereux. Et vous avez vu, 4-0 contre Bellinzone. Bellinzone, je pense qu'eux ne s'attendaient pas à ça. Hein. On va quand même être honnête là-dessus. Donc, alors, les compositions. Hein. On va regarder la composition de cette équipe de Neuchâtel Xamax. Alors, Ashfin Balarouban, Mirza Mulcic, Fabio Seis, Iser Aliou. Donc, voilà, ouais. Iser Aliou, Danilo Del Toro, Ange Emmanuel Dakoury,
Théo Guivarch, le gardien de but français, qui n'a rien à voir avec Stéphane Guivarch, il n'a aucun lien de parenté avec, je précise. Nicky Avenard, un Hollandais, ou un Hollandais qui a des origines, je dirais, d'Afrique du Sud, avoir le nom. Brahim Ouattara, donc qu'on connaît bien, hein, Suisse romande. Raphaël Nuzzolo, l'inusable Raphaël Nuzzolo, la légende, le Zidane neuchâtelois, j'ai envie de dire. Soumaïla Bakayoko, également. Henri Quad. Et il fait pas de la moto, il fait du quad, tu crois? Elle est nulle, celle-là. Et puis Alexandre Pache, Max Veloso, Mats Emrich. Voilà, les amis. Pour tout vous dire, voilà les noms qui peuplent cette équipe de Neuchâtel Xamax. Donc, d'Alexandre Pache, il faut s'en méfier, c'est un vieux renard. Expérimenté, Raphaël Nuzzolo, plus à présenter. Et Brahim Ouattara, non plus. Hein, donc attention les dégâts, ces joueurs-là peuvent nous faire du sale à la maladière, donc faudra vraiment s'en méfier. Quant à nous, on a été complètement, je vais dire, ça a été une catastrophe avec le recul contre Stade Lausanne, on n'aurait jamais dû perdre ce match. Très honnêtement, je ne comprends pas qu'on n'ait pas réussi à prendre l'ascendant, qu'on n'ait pas été... les gars ont tout essayé, et puis... Faut dire que Stade Lausanne-Ouchy est une belle équipe aussi et qui est bien dans le classement, hein, parce que ils sont troisième derrière Lausanne Sport. Donc pour moi pour l'instant le classement final du podium me va très bien, hein. Premier le FC Ville avec 19 points, également nous avec 19 points. Différence de but, on en est à 9 partout, on a le même nombre de buts, donc ouais. But pour Ville, 20 buts, et but pour Lausanne Sport, 19, but contre, 11 d'encaissés pour Ville et 10 pour Lausanne Sport, donc eux ils en ont marqué un de plus que nous, mais nous on en a encaissé un de plus qu'eux, et autrement on est à différence de but pareil, donc on est égalité parfaite sur l'histoire du classement, mais c'est dommage, il aurait fallu... Il aurait fallu qu'on aille 22 points, ça aurait été bien. Mais bon, allez, vas-y, c'est pas grave. Des matchs, on risque d'en perdre encore, le moins possible, j'espère. Mais voilà, enfin, tout gagner tous les matchs, c'est pas possible. Donc, en tout cas, gagner celui contre Neuchâtel Xamax, ça serait quand même d'augure. Donc, j'espère. Donc, deuxième, Lausanne Sport, 19 points. Ville, premier, 19 points. Bah, on est pareil, première égalité. Stade Lausanne-Ouchy, troisième avec 18 points. Donc, ça, c'est beau, ça me fait plaisir aussi quand même. Quatrième, FC Arau avec 17 points. Il talonne le Stade Lausanne-Ouchy. Et puis là, faut, à la cinquième place, eh bien, Thun avec 14 points. 14 avec 3 points de retard sur Arau. Et 4 points de retard sur Stade Lausanne. Donc, l'écart entre les 4 premiers et les autres commence à se creuser. Ça va être le moment. Sixième, Chafouz avec 14 points. Septième, Yverdon Sport. Dommage, avec 14 points, 7e, ouais. Là, c'est Bellinzone, j'en parlais tout de suite, 13 points, 8e. Vaduz, 9e, avec 5 points. Et notre adversaire du soir de vendredi, Neuchâtel Xamax. Désolé les Neuchâtelois, j'espère que vous resterez à 4 points. C'est de bonne guerre. Donc, voilà les amis, je pense alors que pour ce coup-ci-là, je vous ai tout dit. Je vous ai sorti un débrief façon Gilbert Rocha. Dites-moi dans les commentaires si vous agace ou si vous aimez bien. Si vous aimez bien, je continue. Si vous agace, je m'arrête. Non, c'est vrai. Et voilà les amis. Hein, on va juste se quitter. Je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, n'oubliez pas, on aura... C'est publicité en bourbine. Voilà. Alors, c'est ça que je voulais dire, les amis. Rendez-vous vendredi soir, 20h15, à la Tuilière pour ce match à gagner absolument entre le FC Lausanne Sport et Neuchâtel Xamax. Ici, c'est Lausanne, ma gueule. Allez, Lausanne, abonnez-vous à la chaîne, les amis. Je vous embrasse. Ciao.